Là où le vent est stationnaire ce midi sur la Canoro, bonjour à toutes et à tous. En un temps qui est couvert avec quelques éclaircies, de la pluie, une température extérieure qui est douce, là il fait 14 degrés. Dans l'eau c'est 16 à 17, la marée est actuellement en train de monter, le plein haut est à 14h15, des coefficients de 60. Sur cette mi-marée montante, le vent est passé onshore avec un secteur ouest-nord-ouest. Il est soutenu, il n'est pas fort, hein. Il n'est pas soutenu à fort, il est juste soutenu. Donc il y a 4 beaufort établis, des rafales à 5, la peau et mouton qui se partagent sur le plan d'eau. Là vous voyez la seule personne à l'eau. Et on a une houle longue de 12 secondes de période orientée ouest-nord-ouest à ouest qui est stationnaire en taille par rapport à ce matin. 1,50 m en déferlement régulier, 2 mètres sur les séries qui rentrent fréquemment, 2,30 m sur les grossettes. Pour le surf, il n'y a personne à l'eau. Il y a un kitesurfer, c'est pourri, c'est tordu. L'évolution pour le reste de la journée, la houle va baisser parce que la boire cachant ne fait que baisser à 2,70 et 9 secondes ce matin. Elle était dans les 3 mètres et 10 secondes. Pour ce qui est du vent, il va se calmer un petit peu. Prévision à 13h, c'est 2,30 m l'ouest-nord-ouest à ouest, 12 secondes de période vent. Ouest-nord-ouest, 4 Saint-Beaufort, et à 17h, c'est 2 mètres, ça baisse. Ou l'ouest-nord-ouest à ouest, 12 secondes de période, vent ouest-nord-ouest, 4 Beaufort, pas de surf. On se retrouve pour le premier jour de la semaine, demain, à la première lueur du jour. Bon dimanche.